Mieux habillé qu'eux. Quand on arrive à la réunion, voilà maman, eux-mêmes me posent la question, mais d'où tu sors tes trucs là? Je vous dis une chose. On va tous dans les mêmes boutiques, mais chacun a sa manière de s'habiller. On va tous à l'église, mais chacun comprend la parole de Jésus-Christ. Voilà un autre. Sa femme allait le voir à la prison.
Ils l'ont condamné à 20 ans de prison. Il priait. Il priait. Et un jour, sa femme est arrivée. Lorsque sa femme est arrivée, elle a demandé de le voir. On dit ok. Ils l'ont fait sortir. Le jour-là, il y a une visite. Les gens sont venus. Donc il est venu. Elle est venue avec leur bébé, nouveau-né. Elle est venue. Elle s'assise en face de lui. Ils ont posé juste. Elle a fini. Elle a dit, attends un peu ton bébé aussi. Or, elle avait un plan dans la tête. C'était le fruit. Puisqu'on la condamne à 20 ans, elle va l'attendre maintenant. Combien de femmes ou bien d'hommes peuvent attendre leur mari? 15 ans, 10 ans, il est en prison. Dis-moi, lève la main et lève-moi. Lève la main et lève-moi. Dis avec moi. Vous croyez que c'est facile? C'est pas dans la preuve, hein? C'est dans la pratique qu'on voit véritablement. Cette affaire-là, si c'était moi qui avais fait, on allait me condamner peut-être à 100 ans même de prison. Oui ou non? Mais je ne suis pas des noms. Même les juges, quand ils ont vu, ils disent, oh, pasteur, voilà la maison. Ils sont jaloux de toi. Les mêmes juges, ils sont jaloux. Je ne suis pas prêt à vous faire la qui. Ils m'ont dit, ils sont jaloux. Dis avec moi, ils sont jaloux. Jaloux. Ils se sont déplacés pour aller filmer ma maison. Filmer. Mais je suis étonné. Maman, elle les a surpris. Et puis une voiture, plaque 10, plaque jaune. On dit, ah, c'est ici la vie. Où est la maison là? Elle a attrapé le bébé, non, il était là. Elle a pris la roue, elle est sortie. Elle est partie. Il est là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Depuis 16 heures jusqu'à, il est là, on dit, bon, tout le monde va rentrer. La prisonnière est rentrée. Il est là, il attend la femme, elle vient pas. Aïe, le frère dans sa main, il ne peut pas rentrer pour faire la femme. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un gars qui est venu. Il dit, mon ami, on dit, il est là, il faut sortir. Oh. Comme il a bébé, ils ont vu qu'il est venu en visite. Personne. Bien, donc,
brûlé. Le diable dit oui. Il dit quand? Il y a un autre, vous savez ce qui s'est passé? Il dit oui. Il y a un autre, vous savez ce qui s'est passé? Il arrive à la prison, il l'en condamne à 20 ans. Donc il était abasourdi, il était déboussolé. Il arrive à la prison. Or, vous savez ce qui s'est passé? Le juge des peines, des applications des peines, c'est une femme. Donc elle a ses greffiers ou ses substituts qui sont au-dessus d'elle. C'est eux qui écrivent. Donc si on t'a condamné un an, un mois, ils écrivent un mois. On l'a condamné 20 ans. Mais ils ont mis 2 ans. Ils sont trompés, ils ont brûlé le zéro. Quand Satan fait du mal, Dieu t'enlève de ses mains et te fait du bien. Il a pleuré jusqu'à un an. Jusqu'à un an, quelques jours. Moi, je suis arrivé, je suis allé prêcher au blindé. Au blindé, c'est là où il y a des petites prisons qui sont 15, 16, ils sont pas beaucoup, sont beaucoup dedans, ils souffrent. Je n'ai pas parlé trop. Alors, dès que on a commencé à prier, j'ai fait des paroles de révélation prophétique. Je l'ai regardé, j'ai dit, Dieu dit, tu vas sortir dans peu de temps. Les gens se demandent, mais on a condamné à 20 ans, ils vont sortir comment? Depuis qu'on a condamné à 20 ans, ils sont comment? Entre vous. Mais rien n'est possible à Dieu. Amen. Je veux que tu répètes ça. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est pas possible à Dieu. Je veux que tu passes ces seulement dit, Seigneur, ma situation. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Est-ce que tu crois que c'est capable? Est-ce que c'est possible? Que tu es capable de t'élever à partir de là où tu es. Que tu es à notre niveau. Reçois l'élévation ce matin. Reçois. J'ai commencé à prêcher, prier. Or, il restait une semaine pour qu'il sorte. On a fini. J'ai prié pour lui en direct. J'ai prié pour plusieurs personnes. Vous savez, c'est vrai. En même temps, le lendemain matin, pendant que la Côte d'Ivoire jouait la canne, ils ont appelé les prisonniers. J'ai prêché dimanche. Donc lundi, les prisonniers qui sont partis au parquet pour être jugés, ils partaient. La Côte d'Ivoire a marqué pour nous. J'étais dans le camion. Dans le camion, quand la Côte d'Ivoire a marqué, ils ont commencé à sauter. Boum. Je leur ai dit, ta délivrance est aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent, moi, on m'a condamné. Beaucoup de pasteurs sont passés ici. Les pasteurs qui quittent dehors, qui disent, on n'est pas la même chose. L'onction fait la différence. Vous avez vu les miracles que Dieu a fait ici? Beaucoup de miracles. C'est pas fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors, ils sont arrivés au paquet. Et en partant sur la route, ils étaient au feu. Et puis, quand ils voient marquer. Donc, quand la Côte d'Ivoire marquer, ils ont commencé à sauter. Le camion est cassé. Ça s'est fessé. Donc, c'est ouvert. Au feu, là. C'est les camions en haut. Donc, les prisonniers. Et c'est ce que j'ai prêché pour eux. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'apôtre Paul et Silas étaient dans la prison. Quand ils priaient, la prison a tremblé. Les prisonniers sont sortis. La porte est ouverte. Reçois. Si tu es en prison, tu sors de la prison. Si tu es enchaîné, tu sors de chaîne. Si tu es lié, tu sors des liens. Reçois la délivrance. 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 Reçois. Quand le camion est vidé, il essaie de les personnes. Et là, les passants disent, monsieur, monsieur, les prisonniers sont prévus, c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. C'est ce qu'on appelle l'onction. Une semaine plus tard, le jeune Paul a condamné à 20 ans. Il est là, on vient, on crie son nom. Et puis c'est un musulman, on crie son nom. Ah, il s'appelle comment là, ça va de quoi là. On crie son nom. On dit, oui, je suis ici, voilà ton billet, on dit, tu es libre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait le billet, il voit son nom. Non, je suis bête. J'ai dit non, c'est pas moi. Ils se sont trompés. Tiens, avec moi.
sauver. Tu veux que Dieu te sauve comment? Tu es trop sain, quoi. Ça, c'est la maladie, la maladie. Comme quelqu'un le dit, ça, c'est maudition. Donc, tu vas dire non, c'est pas moi, vous êtes trompé, moi, il y a 20 ans. Dis à ton frère, ça va pas chez toi. Il a rangé ses affaires, chouette. Dis avec mon chouette. Il a pris son sac, il est arrivé dehors, il a fait sa signature, ils lui ont demandé son nom, il dit oui. Ils ont mis un clan. On dit bon, tu as été condamné à 2 ans, donc tu sors. Il prend bien les voix, il voit, et puis il a fait braquage, pas bien tout comme ça. Condamné à 2 ans. Il a compris que le monsieur s'est trompé. Ils ont mis 2 ans au lieu de 20 ans. Et il est sorti. Tous les prisonniers maintenant viennent chez mon papa, papa. Quand je sors, je suis. Elle paye maison, elle paye courant, elle paye l'eau. Lui, il est en prison, il ne paye rien. Même chose que maman faisait.
Elle faisait tout. Entre nous deux, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. C'est à cause de ce monsieur que la femme est venue. Chaque femme est venue avec sa bénédiction. Amen. Pour soutenir son mari. Amen. Il ne faut jamais dire que c'est à cause de Niaba, Sarah est bénie. C'est à cause de Sarah que Niaba est bénie. Amen. Dis avec moi, c'est à cause de Sarah que Niaba est bénie. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé un homme. On n'a jamais dit que l'homme a trouvé le bonheur en lui-même. Jamais l'homme a trouvé le bonheur en lui. Donc arrêtez vos sorcelleries. Amen. Dis à tes parents d'arrêter leurs sorcelleries. Amen. À cause de ça, ils vont t'attaquer. Attaquer les pauvres femmes. Hein? Mais la mal ici. Mais c'est pas ici, c'est le pied. C'est pas le pied, c'est la tête. Parce qu'on croit que c'est son mari qui l'a fait. C'est pas moi qui fais ma femme, c'est ma femme qui me fait. Amen. C'est pour cela que les gens dans leur sorcellerie ils ont tenté. Qui parmi vous ils n'ont pas tenté de vous divorcer avec vos femmes? Hein? Vous les ont mariés. Ils n'ont pas tenté. Ils n'ont pas tenté. Mais il y a quoi dans ça? Tu vas séparer ton frère ou ta soeur, ton ami, ton mari, ça va te donner quoi? Là vous êtes une chose. C'est tout. Qui avec moi tu es sorcier? Nos parents adoraient les fétiches, ça ne nous a rien apporté. On voit l'eau, on adore. On voit le caillou, on adore. On voit le poids, on adore. C'est quoi? On a accepté Jésus pour évoluer. Là encore, on nous attaque. Dis avec moi que le sang de Jésus les réprimande. Alléluia. Amen. Le voleur. C'est le diable. Il vient pour voler les bénédictions en toi. Ne le laisse pas faire. Quelqu'un t'y arrête. Ne prends pas ton temps à t'asseoir, à calomnier les autres. C'est ce qu'on appelle sorcier. Ne prends pas ton temps à critiquer les autres. C'est ce qu'on appelle sorcier. Ne prends pas ton temps à t'associer avec des groupes. Il y a des gens, tout leur amusement, vérité, bonbon, mauvais, c'est de parler des autres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu m'entende. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je veux construire. Je veux bâtir. Je n'ai pas le temps. Si tu veux, il faut aller t'asseoir. Ce n'est pas mon problème. Il faut construire sur planète Mars, Neptune, Pluton. En tout cas, toutes les 12 planètes, il faut construire des maisons là-bas. Je m'en fous. Tu ne vas jamais me voir aller. Non seulement. Te dis, ah, vraiment chez toi là, hein, je ne fais pas ça. Voilà pourquoi. Si Dieu m'a donné un tabouret, c'est dessus de m'asseoir. Je vais pas venir lutter fauteuil et toi. Il y a des gens qui attendent quand leur frère va mourir, ils vont venir prendre les argent et les fauteuils. Mais dis à ton frère, ce sont eux qui vont mourir à ma place. La plupart des féticheurs, la plupart de ceux qui font la sorcellerie, ou les hommes de Dieu qui font le mysticisme, remarquez, dans leur église, chaque jour à la mort. Parce que Satan prend, c'est les sacrifices. Mais depuis, on a commencé le vice. Depuis Alipo, jusqu'au bout, vous avez vu quelqu'un qui est mort ici. Tout ce temps de diable a prévu de les tuer en même temps, je vois, oui ou non. Dieu n'est pas passé par moi pour sauver beaucoup de personnes. N'écoutez pas ce que les gens disent, c'est les jaloux. Ne rentrez pas dans leur ignominie. Que le sang de Jésus vous sanctifie tous. Que le sang de Jésus vous purifie tous. Si tu avais douté ou tu avais cru, que le sang de Jésus te sanctifie. Que le Seigneur vous bénisse. Et écoutez-vous. Commencez à prier. Dis à Dieu, tu veux rentrer en 2020. Tu ne veux plus rentrer dans les insultes, les critiques, la jalousie, les querelles. Tu ne veux plus rentrer dans ça. Tu veux que Dieu te localise et qu'il te donne des objectifs. Vous savez ce que vous allez faire? Quand vous allez partir à la maison, hein?
Quand vous allez arriver à la maison, prenez, asseyez-vous avec un stylo avec votre femme. Et puis, avant d'entrer en 2020, écrivez les projets. Tu dis à ta femme, tu as quel projet 2020. Si elle dit je ne sais pas, quand tu lui dis les projets, vous élaborez, vous analysez et vous travaillez sur le projet. Vous avez que 12 mois pour réaliser ce projet. Prenez des grands projets. Il y a construction de vos propres maisons. Il y a achat de votre voiture parce que vous déplacez trop en Wororo. Dis à rien de mon Wororo. Si ton mari est en train de faire un projet de maison, hein, faut serrer, ma fille. Laisse après les pommades. 1000 francs de pommade, ça peut payer 3 briques. Laisse après les crayons de beauté. Faut prendre un crayon de vinaigre. Laisse après les rouges à lèvres. Faut utiliser charbon qui a même suite à lèvres. Faut serrer, coiffure. Faut prendre de l'eau du Christ de sucre à cacher. Projet achat de terrain. Dis avec moi, achat de terrain. Maintenant, toi le mari, quand tu vas gagner 100 000, il ne faut pas bouffer. Va mettre quelque part. Tu gagnes 500 000, va mettre quelque part. Laissez 2020 vos copines et copains et mari et marraine que vous avez dehors. Pensez à votre avenir. Parce que ne devenez pas sorcier dans mon dos. Ils vont dire le pasteur, hé, arrête. Ils vont dire le pasteur, là, il est béni. Mais ces fidèles-là, ils sont maudits. Hein? Je ne veux pas ça. Dis avec moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Vous devez me ressembler. Yes. Je vous ai dit d'apprendre à bien vivre. La vie chrétienne, là, ce n'est pas de vivre mal. C'est d'apprendre à vivre dans l'abondance et dans la disette. Quand il y en a, tu vis bien. Amen. 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 Les projets. Mettez, même si tu n'es pas marié, fais ton projet de terrain. Aujourd'hui, les hommes ne marient pas les femmes qui ne font rien du tout. Battez-vous cette fois-ci. On est en 2020. 2000 jusqu'à il y a 20 ans dedans. Il nous reste combien d'années à vivre? Vous savez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ne soyez pas triste, hein. Moi, le jour où je meurs, je m'en vais au ciel. Amen. Amen. Regardez les hommes que Dieu vous a donnés. Il m'envoie en prison sur un produit de crime. Et pas crime petit. C'est pas qu'ils ont tué simplement. Coupé tête. Et puis, venir mettre ça dans ma main. Et on me prend. On me jette en prison. Amen. Amen. Et un coup, il dit, Niama, il faut sortir. Et puis je me retrouve devant vous. Ça veut dire, je suis né pour aller au paradis. Amen. Dis amen. Amen. La manière Dieu m'a dit en 2001, depuis 2001, il m'a dit, je vais te voir en prison. Je ne savais pas que c'était comme ça. Il m'a dit, il va me voir en prison. Je ne serais pas choqué. Mais la même manière qu'il m'a dit, il m'a dit aussi, les gens comme moi, nous, on ne dure pas longtemps. Comme celle-là, elle ne dure pas. Vous avez entendu? Donc ne soyez pas choqués. Le jour où Dieu m'enlève, où tu enlèves maman, on est au paradis. Il n'y a plus chaleur là-bas. Il n'y a plus papa même. Il n'y a plus ça là-bas. Amen bien. La mort m'est dégain. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Et je vous parle en même temps. Le jour où je suis parti, il ne faut pas que vous soyez surpris. Je suis allé au ciel. Gloire à Dieu. Et je me bats pour mon ciel. Amen. 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 Le jour où tu enlèves maman aussi, elle va aller au paradis. Parce que Dieu vous a démontré qu'il est avec nous. Amen. C'est pas une démonstration. Amen. Il ne vous a pas parlé comme ça. Il vous a parlé oui ou non. Oui. Le jour où je meurs, ne pleurez pas. Dansez pour le Seigneur. Amen. Moi, je n'ai pas peur d'abord. Le jour où je me réveille, dit, tu étais serré. Je n'ai jamais vu. Dieu me dit, il y a des prêtres qu'on a envoyés là-bas, pédophiles, ceci. Il pleure devant elle, mon pardon. Mais elle dit, mais attends, mon révérend, toi tu es serré. Et puis c'est pas elle seule. Même commissaire de police, au 26e. Elle vous avait dit ça, non? Vous qui avez dit ça, levez les mains.
Vous êtes malade. Je lui dis, mais l'enfant m'a dit, votre pasteur là, son affaire est tirée. C'est ça qui me fait. Elle dit, mais affaire des crimes, tu ne pleures pas. Tu dis, madame, viens pleurer par rapport. Quand il a pleuré, c'est ça qu'il n'a pas fait. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu nous enlève, ne pleurez pas. C'est votre temps. Parce que nous, on finit de bâtir. Dieu m'a dit à tout dire. Moi, je sais la vision que j'ai. Il a parlé d'expansion. L'église sera incontournable. Mais ce n'est pas maintenant. Juste à ce que il dit, bon, Yaba, il faut rentrer. Rentre chez toi la maison. Ce n'est pas chez moi ici. Moi, je suis étranger. Celle-là, ce n'est pas chez elle. Si c'est chez vous ici, tout. Moi, ce n'est pas chez moi ici. Et puis, je n'ai même pas peur. Parce que je ne réproche rien. Regardez, Dieu m'a fait la grâce. Les choses qui peuvent empêcher l'homme d'aller au ciel, c'est les femmes que vous cherchez. Les maris que vous cherchez, les gens. C'est ça qui peut vous empêcher. Il n'y a pas de petit péché. C'est comme à la justice, là, il y a des gens qui vous viennent, un petit a volé sac de cacao. Ils l'ont condamné à 20 ans. On dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ça a volé cacao. Il y a une femme qui a volé une machine au marché. La femme a donné l'eau, elle faisait son achat. Il y a des gens qui ont le vol en eux. Elle a soulevé une machine. Ils l'ont condamné à 5 ans. On dit, madame, tu aurais pu demander. Demander, mais pas voler. C'est ça qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vos coups que vous buvez, vos boyards que vous fumez, vos cigarettes, tout ce que vous faites là, c'est ça que vous avez pas à en faire. Mais moi, tu me mets là-bas, tu me vois dans ça. Quand une fois attrapé ma vie, non, ou bien, tu m'as une fois attrapé une femme, jamais. Dieu m'a fait la grâce. T'as entendu? Mais toi, tu as eu combien de femmes? C'est ça la différence. Tu as eu combien de maris? Donc pendant que tu as envie, il faut commencer à changer. Sinon le jour où tu meurs, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton frère, tu lui penses à ton salut. Pense à ton salut. Donc fais tes projets. Projet de voyage, projet de mariage. En tout cas, écrivez et puis arrangez-vous pour faire ce projet. Au moins si tu achètes un terrain en 2020, tu es sûr de pouvoir construire à partir de 2021.